Salut à tous, merci d'être là avec nous sur Canal Congo Télévision dans La Santé d'abord. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de La Santé d'abord. Aujourd'hui, nous allons parler du tabagisme. Et à cet effet, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée du professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, docteur, un pneumologue de clinique universitaire de Kinshasa. Et aussi, vous êtes le doyen de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le tabagisme qui entre autres un fléau, parce qu'il frappe un grand nombre d'individus, et puis elle est la cause, l'une des causes de mortalité évitable. Et professeur, pourriez-vous nous dire ce que c'est le tabagisme? Parce que c'est un mot qui nous est familier, mais il y a un peu de zone d'ombre dans la tête de certaines personnes. Si aujourd'hui vous pouvez nous éclaircir sur le tabagisme. Merci beaucoup madame de me donner cette opportunité. Et je me rends d'entrée des jeux compte que vous êtes très bien documenté sur la question. D'autant plus que vous parlez de la première cause de décès, mais la première cause de décès est une cause évitable. Le tabagisme peut se définir de manière simple comme étant le fait de la consommation de tabac. Vous comprenez évidemment là-dedans qu'il y aura des degrés divers dans ce fait de consommer le tabac. Bien sûr, parce que les fumeurs sont différents en plus. Donc, en termes de définition, il y a l'intensité du tabac consommé à voir, il y a la durée du tabagisme, qui sont des corollaires évidents sur les conséquences éventuelles. Je suis sûr que nous en parlerons dans la suite de cette émission. Ok, merci. Le tabagisme étant l'une des causes de la mortalité évitable, mais je parie qu'il cause des dégâts dans l'organisme, principalement au niveau du cœur et puis au niveau du poumon. Mais pourriez-vous nous dire le risque du tabagisme? Les risques du tabagisme sont multiples, madame. Déjà liés, d'une part, à l'intensité de ce tabagisme. Une personne qui fume 2 cigarettes par jour et une qui en fumerait 40 ne s'expose pas de la même manière. En cela également, que les individus n'étant pas génétiquement tout à fait identiques, les méfaits chez l'un le sont beaucoup plus que chez l'autre. Il y a des études qui montrent déjà que le tabagisme a des méfaits plus fréquents, plus rapides dans le sexe féminin par exemple que dans le sexe masculin. La question que vous me posez, celle de dire quelles sont les conséquences, elle est une question à multiples facettes. Parce que le tabagisme, si l'on veut être didactique et systématisé, cause des dégâts à partir de la tête jusqu'aux ongles, mais également à partir des cheveux jusqu'à l'intérieur du corps. Je m'en veux pour preuve de vous dire, par exemple, en regardant la tête dans laquelle nous avons le cerveau, le tabagisme a déjà des problèmes sur le système nerveux central et même sur les nerfs périphériques, donc système nerveux. Il peut être à l'origine des troubles de cognition, c'est-à-dire de mémoire et de souvenirs. Il peut être à l'origine de l'atteinte des nerfs au niveau des vaisseaux et favoriser de ce fait notamment la survenue de ce que nous appelons les accidents vasculaires cérébraux. Vous avez vu notamment des personnes qui avaient une paralysie se développer sur un terrain d'hypertension et de tabagisme prolongé. Il constitue un réel facteur de risque additif des pathologies cardiovasculaires telles que l'accident vasculaire cérébral. Au niveau du système nerveux et de la tête aussi, les psychiatres savent ce qu'est la dépendance au tabagisme. Plus grave que celle à l'alcool, le tabagique invétéré, c'est la personne qui, dès le réveil, avant même d'avoir brossé ses dents, va absolument tirer sur sa première cigarette. De nombreuses études ont également montré que le tabagique invétéré est celui qui fume sa première cigarette matinale de plus en plus tôt. Et elle est également de plus en plus nocive parce qu'elle est témoin du degré d'imprégnation. Il y a donc la dépendance psychologique vis-à-vis du tabagisme au niveau cérébral. Mais s'il vous plaît, professeur, existe-t-il un remède pour guérir cette dépendance? Querelle de sémantique, madame. Tout ce qui relève de la dépendance
est aussi tributaire de la volonté en premier lieu. Bien sûr qu'il y a des théories d'accompagnement. Vous avez, vous qui êtes une férue d'Internet, en tout cas vous m'en donnez l'impression, vous savez évidemment qu'aujourd'hui il y a des querelles sur les e-cigarettes, les cigarettes électroniques. Ce sont des substitutifs que éventuellement on donne aux individus incapables de par eux-mêmes d'arrêter absolument, surtout lorsqu'il y a une addiction au tabagisme, donc une habitude, etc. La dépendance, plus elle est importante, plus longue sera le processus de libération vis-à-vis d'elle. Elle nécessite la volonté individuelle, mais elle nécessite aussi la prise en charge par la société, une prise en charge collective, faisant intervenir également le médecin, le psychologue, le psychanalyste, etc. Vous remarquez bien là la collégialité dans la prise en charge pour pouvoir aider, sortir un individu dépendant du tabagisme de ses habitudes. Mais s'il vous plaît, professeur, existe-t-il un seuil au-dessus duquel un fumeur ne présente aucun risque? Si je disais un seuil pour dire qu'il n'y a pas de risque, madame, il n'y a pas. Étant donné que l'individu, vous m'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas un secret, que votre prénom c'était Christelle, le mien Jean-Marie. Christelle et Jean-Marie sont-ils sortis d'un même moule, même issus d'une même famille, même des jumeaux vrais? Nous sommes déjà confrontés à un environnement qui n'est pas toujours absolument le même, ce qui marque tout de même la différence. La réaction que vous aurez, vous, déjà en tant que femme plus sensible, plus susceptible aux méfaits du tabac, et moi, ne sera pas la même. Vous comprenez aisément qu'une personne plus jeune, une personne plus fragile, exposée au tabagisme, aura, même avec une exposition minime, moins plus de dégâts, évidemment, qu'une personne déjà un petit peu plus mature, etc., plus exposée, pratiquement de manière virtuelle, vaccinée contre l'effet du tabagisme. Vous comprendrez donc que définir un seuil est évidemment une aberration, un terrain vers lequel, madame, vous ne me ferez certainement pas glisser. Ok, merci professeur. Vous avez dit que le tabagisme présente de risques, hein, et une cause de maladies au niveau du cerveau, au niveau du cœur, et bien notamment aussi au niveau de poumons. Et quel est le parti le plus lésé au niveau du poumon? Oui, madame, j'étais en train d'énumérer les conséquences du tabagisme. J'ai vite glissé dans un verbiage lorsque vous m'avez interrompu. Mais déjà au niveau de la tête, mes amis stomatologues savent qu'il peut déjà, en plus de la mauvaise haleine et de la mauvaise hygiène dentaire imputable au tabagisme, les cancers, le cancer de la bouche, le cancer du larynx, des cordes vocales. On sait que le tabagisme est un des rares facteurs totalement identifié comme étant source potentielle de cancer. Cela pour la sphère ORL, etc. Évidemment, vous descendez plus bas, vous aurez le cœur avec toutes les maladies cardiovasculaires, parmi lesquelles l'infarctus du myocarde, etc. Mais le tabagisme en lui-même entraîne déjà un durcissement, essayons de parler de manière compréhensive pour le plus grand nombre. Un durcissement des artères. Lorsque les artères durcissent, ressemblent à des tuyaux de plomb, ces artères augmentent la résistance à la circulation du sang. La conséquence est l'hypertension artérielle. Madame, vous avez deviné le lien qu'il y a entre la consommation de tabac et l'hypertension artérielle. Au niveau du cœur, une des maladies les plus mortelles, ce sont celles que nous médecins appelons les cardiopathies ischémiques. C'est l'infarctus du myocarde. Le terme, la médecine en a beaucoup, est rébarbatif. Ça voudrait simplement dire les tuyaux qui irriguent le cœur, les artères, sont pratiquement bouchés et le muscle du cœur, très avide en oxygène, ne reçoit plus l'oxygène et une partie du muscle meurt. Vous comprendrez que la pompe, lorsqu'elle meurt, elle perd sa fonctionnalité. Ce qui s'ensuit, c'est la mort, et voire même souvent la mort subite, infarctus du myocarde. Au niveau des poumons, toutes les structures pulmonaires, à commencer par les voies respiratoires, sont susceptibles d'être lésées par le tabac. Nous avons un très grand chapitre aujourd'hui en médecine pneumologique. C'est ce qu'on appelle, excusez-moi encore le terme rébarbatif, les bronchopneumopathies chroniques obstructives. Madame, on s'essouffle même en prononçant le terme. C'est simplement la bronchite chronique
qui sera une toux qui se répète pratiquement tous les jours et qui fait dire d'ailleurs aux fumeurs « Ah, je fume un peu normalement comme tout le monde ». Non, madame, on ne fume jamais normalement comme tout le monde. Quand on tousse, ce n'est jamais une situation normale. La bronchite chronique, et cette bronchite chronique peut, au fil du temps, évoluer vers la bronchite chronique obstructive. C'est alors qu'on a une qualité de vie abominable. Parce que simplement, on ne sait plus respirer normalement, on a des nuits tout à fait perturbées, on a des troubles de libido, etc. On a une toux qui se répète tout le temps. Mais la respiration très mauvaise, l'activité, la qualité de la vie est lamentable. À côté de la bronchopneumopathie chronique obstructive, les cancers. Les cancers pulmonaires sont reconnus comme étant la première cause de décès par cancer dans le sexe masculin et en train de remonter et de rattraper le cancer du sein, surtout en milieu développé où la jeune fille fume de plus en plus tôt et les femmes de plus en plus nombreuses à consommer le tabac. Donc le cancer bronchopulmonaire, voilà, a une des causes identifiées, le tabagisme. J'ai aimé votre introduction, cause de mortalité, cause évitable, dépendant totalement de nous-mêmes. C'était le poumon, madame. Si je vais un petit peu plus bas, les reins, la vessie, les cancers de ces organes-là peuvent également, à cause du tabac, qui contient en lui-même plus de 30 substances cancérigènes, parmi lesquels les hydrocarbures, les amphétamines, les goudrons. Madame, la composition chimique du tabac, si on pouvait l'utiliser pour produire du compost, pour fertiliser davantage la terre, je crois que nous aurions résolu nos problèmes de famine en République démocratique du Congo. Mais regardez l'ingéniosité, comment diriger vers l'industrie tabacicole, qui, pour un plaisir de quelques minutes, peut compromettre tout à fait la croissance, etc. Les gynécologues vous diront également que le tabagisme de la mère enceinte et cause notamment des malformations fœtales, de récents retards de croissance intra-utérine. Et plus grave, le tabagisme passif du père qui, à côté de sa femme enceinte, fume toujours. Certaines substances inhalées, brûlées par la cigarette, peuvent traverser la barrière placentaire et perturber même la croissance du fœtus à l'intérieur de la mère. Les cancers des organes génitaux, ovaires, utérus, etc., l'implication du tabac comme facteur favorisant est totalement reconnue. J'ai parlé de la peau, madame. Avez-vous vu comment elle est, la peau d'un fumeur invétéré? Elle est vieille. Elle est vieillie totalement et cette peau perd une des missions essentielles de la peau qui est un organe de protection contre toutes les agressions extérieures. La peau d'un fumeur perd une partie de son armada défensif qui peut nous permettre de lutter contre les agressions solaires. Nous sommes déjà là frappés par le réchauffement planétaire. Je crois que les fumeurs, sans l'avoir démontré, pourraient moins bien que les non-fumeurs résister parce que leur peau perd de l'élasticité habituelle, perd sa compétence à nous protéger contre les intempéries et les agressions extérieures. Vous voyez, la liste est longue. Nous pouvions, si j'avais répété un petit peu mon cours hier soir, vous citer peut-être encore un petit peu plus que toutes ces particularités nocives qui me viennent comme ça de mémoire. Ok, merci. Merci, professeur. Nous venons de suivre les différentes pathologies causées par le tabagisme. Et ensemble, nous avons compris que le tabagisme est vraiment, a des conséquences vraiment néfastes pour la santé. Le tabac contient de substances cancérigènes, comme vous venez de dire. Et ces substances cancérigènes attaquent les cellules souches, parce que à chaque fois que les cellules meurent, il y a une reproduction des cellules. Mais dans ces cas, je comprends que le tabac, les substances contenues dans le tabac attaquent, détruisent les cellules souches, et dans ces cas, il n'y a plus production de nouvelles cellules.
Madame, là, je félicite d'abord votre recrutement. Je félicite la personne qui vous a mise à l'émission Santé parce que je sens qu'il y a en vous un soubassement de formation médicale. Merci. Ce que vous me demandez est déjà assez physiopathologique, risque d'ennuyer nos téléspectateurs. Mais j'ai l'obligation quand même de ne pas me laisser coller, surtout que je sais qu'en ce moment, certains de mes étudiants suivent le pneumologue que je suis. Il importe de dire que parmi toutes ces substances nocives du tabac, certaines ont la propriété de traverser la cellule et même la membrane nucléaire, la membrane du noyau qui est à l'intérieur de la cellule. Et celles qui ont cette propriété ont la conséquence d'attaquer notamment les acides nucléiques, l'ADN, etc., et certaines protéines intranucléaires. Quelques-unes ont été identifiées. C'est l'exemple de la protéine P53. Dont la propriété est de nous protéger éventuellement contre la production, la transformation en cancer des cellules normales. Eh bien, vous voyez, lorsqu'on détruit cette protéine P53, et le tabac en est une des causes possibles, on nous empêche de nous protéger contre la prolifération des cellules cancéreuses. Voilà à peu près de manière très simplette le lien possible entre tabagisme et cancer. Mais madame, le cancer en général, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une prolifération anormale des cellules. En général, les cellules grandissent et meurent, comme vous l'avez dit. Certaines par un phénomène, nous le décrivons comme étant apoptose. La médecine a beaucoup de termes. Ne fantasmez certainement pas devant celui-là que je sors. Donc, il y a des cellules qui se produisent, d'autres meurent d'une mort naturelle. Mais dans le cancer, les mécanismes de contrôle, de surveillance de la croissance des cellules, pour qu'elles ne se multiplient pas sans contrôle, ces mécanismes sont dépassés, soit de manière génétique, soit du fait d'une transformation environnementale sur les acides nucléiques qui sont le soubassement du matériel génétique. En ce moment-là, le cancer est un développement anarchique sans contrepartie de freinage ou de régulation de la croissance d'un organe. Voilà ce qu'est le cancer. Donc vous comprenez un petit peu le lien qu'il y a entre le tabac qui modifie le matériel génétique chez certains individus. Merci professeur. Tout à l'heure, nous venons de parler, vous avez parlé de la dépendance hein, du tabagisme. Est-ce c'est lié aux hormones ? Parce que je ne comprends pas un bébé, un enfant qui naît, et soudain, comme ça, en grandissant, il a l'envie de fumer. Je ne sais pas si c'est lié aux hormones. Tu pouvais nous dire, qu'est-ce qui a stimulé la personne à aller fumer? Oui, madame. La prédisposition à fumer, c'est d'abord le fait que la nicotine, une des substances contenues principalement dans le tabac, traverse en une fraction de seconde le courant circulatoire jusqu'à atteindre le cerveau. Il y a des substances, notamment la nicotine, dont la dépendance est surtout dépendante, passez-moi la tautologie, traverse rapidement la barrière hémato-encéphalique et peut de ce fait intéresser ou perturber le comportement de l'individu. Mais le sujet qui a tendance à fumer rapidement, oui, on peut reconnaître la prédisposition génétique à le faire, mais lorsque vous mettez une personne qui a déjà une prédisposition génétique dans un environnement de fumeurs invétérés, imaginez comme dans les sociétés occidentales, les deux parents fument, mais les habitudes sont rapidement acquises par les enfants. Vous en aurez, je ne sais pas si vous en avez déjà, madame, je ne m'immisce pas dans votre vie privée, mais vous voyez, le petit enfant, il a tendance à imiter le grand. La maman d'abord, c'est la première, et le papa. Eh bien, on imite la première cigarette, souvent quand on a vu un parent fumer. Des études de comportement le prouvent à suffisance que l'environnement joue également un rôle déterminant dans la prédisposition ou la tendance à consommer sa première cigarette. Merci professeur. Est-ce qu'il existe ce type de produits pharmaceutiques pour lutter contre ce tabagisme, cette dépendance-là? Oui, madame, j'ai répété encore tout à l'heure que la meilleure façon de prévenir ou de corriger le phénomène, c'est la volonté de l'individu. Bien sûr, l'industrie pharmaceutique a développé plusieurs substances qui imitent les effets de la nicotine. Mais toutes ces substances, et les auteurs sont d'accord là-dessus, sans la volonté au départ, sont
quasi vouée à l'échec. On a vu plusieurs essais de diverses molécules. Loin de moi l'idée de les citer toutes ici, mais retenir que la principale molécule reste quand même la volonté. Lorsque l'individu est incapable de lui-même d'y arriver, ce qui arrive avec un degré important de tabagisme, il est important d'avoir ce que nos amis psychologues, je salue ici mon ami le professeur Mampunza, c'est éventuellement les thérapies de groupe, la prise en charge par des groupes, les associations, des sportifs, etc. Et comme vous, aujourd'hui, montrer, étaler à la face du monde les méfaits du tabagisme peut avoir un effet capitalisant sur le comportement des individus. Est-ce qu'il existe aussi des moyens pour prévenir le tabagisme? La prévention du tabagisme, madame, le meilleur moyen, c'est l'information. L'accès à l'information sur les méfaits du tabagisme, comme nous le faisons maintenant grâce à vous, et je me trouve tout à fait impliqué et heureux de devoir participer à cette émission qui montre à la face du monde, même si on n'a pas ici des images, madame, mais nous, médecins, nous voyons des personnes qui, déjà atteintes d'un cancer pulmonaire au stade terminal, vous disent « Docteur, j'arrête de fumer dès à présent ». Ce qu'on a envie de leur dire, c'est trop tard, mais on ne leur dit pas parce que nous devons accompagner le patient, mais prévenir, informer, le dire à l'avance, à la jeunesse, dans les collèges, les lycées, à l'école primaire et maternelle. Voilà où devrait se situer l'information. La meilleure prévention passe par l'information et l'éducation. La Bible ne dit-elle pas « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Voilà que vous me paraphrasez correctement, madame. La santé d'abord sur Canal Congo Télévision. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Aujourd'hui, on a parlé du tabagisme. Professeur, s'il vous plaît, si vous pouvez nous dire un dernier mot. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Un dernier mot, soit entre guillemets, un conseil pour la population qui te suit concernant le tabagisme. Madame, je vais vous reprendre, je dirais vous paraphraser. Vous avez introduit avec beaucoup de luminosité cette émission en disant « Tabac ». Cause évitable et certaine de mortalité. Lorsque nous sommes sûrs de l'implication, l'émission l'a encore évoqué, du tabagisme dans les nuisances sur la santé des individus, lorsqu'on nous apprend d'autre part que c'est une cause totalement évitable, eh bien, décourageons par tous les moyens le tabagisme. Il n'y a pas de bon et de mauvais tabac, il n'y a que des effets nocifs du tabagisme sur l'organisme. Décourageons totalement la pratique du tabagisme ou la consommation, surtout dans la jeunesse, et décourageons par l'information. Et à l'industrie tabacicole d'avoir cette réglementation qui dit, bien sûr, tout en respectant la liberté des individus, marquer de manière tout à fait ostentatoire, le tabac nuit. Ne dites même pas peu, mais le tabac nuit à votre santé. Voilà un petit peu le message que je peux, à ce stade, apporter à mes compatriotes. Merci professeur, nous sommes déjà à la fin. Et pour ceux qui nous ont pris en cours, aujourd'hui nous avons dit stop tabagisme avec le professeur, le docteur Jean-Marie Kayembe Toumba, le doyen de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Merci et à la prochaine.